Un exemple d'équation trigonométrique, sinus de x plus pi sur 3 égale sinus 2x. La géométrie dynamique peut aider à mieux comprendre ces questions qui sont parfois d'un abord difficile et une telle vidéo est contribuée. On fait varier x de moins pi à plus pi. On regarde sur le cercle trigonométrique et sur les représentations graphiques des deux fonctions rouge et bleu. En appuyant sur ce bouton du clavier, on augmente x. Voilà par exemple le point sur le cercle trigonométrique x, x plus pi sur 3, 2x apparaît automatiquement. Sur les représentations graphiques, on a un point rouge qui correspond à sinus 2x et un point bleu qui correspond à sinus de x plus pi sur 3. On continue à tourner. On va faire varier de moins pi à plus pi. Voici par exemple x égale moins pi sur 2. On continue. Et on arrive ici à une égalité des sinus. Le sinus du rouge, c'est le sinus du bleu, qui correspond à x égale moins 4 pi sur 9, qui sera calculé tout à l'heure. Continue à tourner. Voilà x égale 0, 2x égale 0. On peut toujours suivre sur les représentations graphiques. Arrivé à ce niveau, on a des sinus égaux encore, et ça correspond à 2 pi sur 9 pour x. Ici, x plus pi sur 3 et 2x sont représentés par le même point, au même sinus, correspond à pi sur 3. On continue toujours. Voici encore une égalité des sinus qui correspond à 8 pi sur 9. Alors on a fait tourner x de moins pi à plus pi. Et on a obtenu ces quatre nombres qui correspondent sur le graphique. On va revenir à 0. En suivant sur le graphique, on voit que les égalités pour x égale moins 4 pi sur 9 2 pi sur 9 pi sur 3 et encore 8 pi sur 9. Le calcul est proposé. L'équation est équivalente à x plus pi sur 3 égale 2x plus k fois 2 pi, ou x plus pi sur 3 égale pi moins 2x plus k fois 2 pi. Égalité des sinus, avoir la figure en tête ou la faire, ça correspond à égalité des nombres, à k de pi près, ou à des nombres qui diffèrent de pi, à 2k pi près. Dans R, l'ensemble des solutions est formé de 4 de 2 infinités, plutôt pi sur 3 moins k de pi, 2 pi sur 9 plus k de pi sur 3. Et les solutions de détermination principale entre moins pi et pi sont les 4 nombres qu'on a fait apparaître, moins 4 pi sur 9, 2 pi sur 9, pi sur 3, 8 pi sur 9. Le programme interactif en flash est accessible par le lien qui est sous la vidéo.
D'autre part, une présentation plus générale de la trigonométrie pour ce niveau première S terminale S est proposée dans la même chaîne YouTube.